Hey, salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Gazor to Commander. Aujourd'hui on est reparti, on va se dépêcher de terminer notre contrat puisqu'il reste tout pile une heure pour le terminer et je dois partir d'ici 20-25 minutes, donc on va faire deux parties de domination dans cet épisode assez rapidement. Je comptais vraiment le faire parce que je voulais vraiment terminer mon contrat. Ça aurait été quand même bête un petit peu de passer à côté de ça, surtout que je suis à 22 sur 25 et j'ai galéré l'épisode d'avant malheureusement, mais bon. Aujourd'hui on est reparti, mais on est parti avec le Psychosis. Le Psychosis va normalement me permettre de faire plus facilement des kills pendant que c'est actif, parce qu'il dure plus longtemps que l'autre en fait, c'est surtout ça. Donc je pense que ça va être plus facile avec celui-là que ça l'a été la dernière fois, parce que c'est vrai que la dernière fois j'ai pas mal galéré, je trouve. J'ai fait quoi, allez, 2-3 kills peut-être par partie avec, et là je pense qu'avec le Psychosis je peux à peu près faire 2-3 kills, mais par utilisation, ce qui dure quand même vachement longtemps. En plus on arrive dans une partie qui vient de commencer, je suis reparti à la Vesper et j'ai mis la poignée sur ma Vesper, j'ai enlevé le viseur réflexe que j'avais avant et j'ai mis la poignée. Je pense que ça va être assez utile parce que depuis que les viseurs ont été nerfs et que la Vesper a été nerf, une petite poignée sur la Vesper, je pense que ça ne peut pas faire de mal. On va attendre rapidement. Allez, ok, voilà, je voulais dire on attend que ça arrive, mais en fait je voulais rager de ma vie, mais en fait on s'en fiche un petit peu. Oh nice, j'ai eu le deuxième aussi, allez on est parti. On est chaud là, ça vient derrière moi. Je l'ai vu juste derrière moi le mec. Oh l'enfoiré, Marshall, de toute façon j'avais plus de vie, donc Marshall il me dérange pas, de toute façon quand le mec il m'aurait mis une balle, de toute façon ça change rien quoi, tu vois, ça c'est pas un souci. Le truc c'est quand le machin il te one shot comme ça d'un coup, là c'est horrible, alors que t'es full life tu vois, mais là non, là ça passe. Il est passé où? Il n'a pas un sur B? J'avais rien compris où il était le mec, j'ai absolument rien pigé à ce qui s'est passé. Non, oh, je voulais le kill absolument. Ah, je voulais tellement absolument avoir le kill pour avoir justement le... mon petit bonus. Et Marshall. Ah, c'est horrible. C'est horrible, Marshall, quoi. Putain, les mecs, ils arrivent devant la porte comme ça, ils attendent devant la porte et tu passes et boum, t'es mort. Je me demandais ce que c'était. Ah, mais c'était un C4. Mais le mec, il peut faire péter le C4. J'ai pas compris, là. Le mec a fait péter le C4 alors qu'il était mort. C'est possible, ça? C'est possible de faire péter, parce que j'ai pas tiré dessus, clairement il était à mes pieds, donc j'ai pas tiré dessus, mais... Je sais pas comment c'est possible que le C4 ait pété là, j'ai pas compris du tout. Si quelqu'un peut m'expliquer, je suis preneur, parce que je sais pas comment je suis mort. Ouf, ok. Ça fait du bien de repartir avec une petite Vesper quand même, franchement ça fait vachement du bien de jouer avec cette arme, ça faisait longtemps que j'avais pas joué avec. Et Marshall, bonjour! Eh, ils sont deux à jouer au Marshall en face, franchement c'est ultra chiant quoi. C'est vraiment ultra chiant ces armes là. Toutes les armes one-shot, Le problème c'est qu'on était parti d'un Call of avec justement pas beaucoup d'armes qui one-shot et c'était bien parce que il y avait plus, je trouve qu'il y avait plus de skill, et maintenant on se retrouve avec beaucoup d'armes qui one-shot. Déjà les spécialistes c'est pas mal tu vois, mais alors maintenant avec toutes les autres armes c'est vraiment horrible je trouve. Alors je trouve personne à tuer, c'est un peu dommage. C'est dommage de trouver personne à tuer quand on a notre spécialiste et qu'il faut faire des kills avec. Mais bon, je pense qu'en une seule partie j'aurais bien trouvé 3 personnes à tuer avec hein. Surtout qu'il est assez facile à débloquer. Mais ouais, je disais c'est dommage d'être parti genre j'ai un Cerberus et j'ai pas de... Est-ce que... Attends, on va prendre directement une classe. Y'a pas une classe IEM? Je crois qu'on m'a dit qu'il y avait une classe IEM. C'est ça? C'est ça une IEM? J'ai jamais lancé d'IEM, je sais pas du tout. C'est pas une IEM. Bon bah ok, ça va, suivant. Ouais voilà, de toute façon comme ça je suis mort. Alors, Vanguard, là... Ah c'est ça les IEM peut-être sûrement. Ah IEM, IEM C4. Avec un lanceur, ça doit probablement être ça. Je veux pas trop m'avancer, mais surtout qu'il y a un ingénieur dessus, à mon avis ça va être ça. Bon par contre c'est de l'Argus, donc c'est un petit peu... Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Comment est-ce que je fais pour lancer mon truc? Ah oui c'est ça. Voilà. Eh bah voilà. Bah il suffisait de demander. Ah c'est vrai que c'est plus pratique quand on a des IEM pour détruire les saletés de Cerberus hein. Parce que c'est un petit peu horrible quand t'as pas d'IEM, c'est machin, c'est vraiment une... Oh waouh, trop de temps à viser avec ce truc. Oh, je l'ai pas. Oh, ok, je croyais carrément que j'étais dessus. On repart à la Vesper, c'est parti. Ah mais toute ma team est négative. Lala. Allez, let's go, falloir essayer d'aller capturer B. Balancer tous mes spécialistes parce que je savais vraiment pas où regarder là. Et je crois qu'il y a un mec qui va m'arriver dans le cul. Ou à je pensais qu'il allait arriver devant, mais why not. Whatever, c'est pareil. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Je sais pas comment je vais réussir à aller capturer B quoi. En fait je pense que c'est impossible de capturer B. Je pense que c'est juste impossible. Oh putain je l'ai pas du tout vu lui. Je l'ai pas du tout vu.
Je fais pas trop attention à ce qu'il y a devant moi, j'ai l'impression. Bonjour lui. Hostile Wraith, what? Et les mecs ils sont tous full score streak, j'ai combien? Je suis en 18-9, pourtant j'ai un petit ratio de 2, tu vois, mais... Et apparemment ça suffit pas d'avoir un ratio de 2. Ouais mais moi je veux pas sortir. Il y a un Wraith les gars, moi je sors pas. C'est le Wraith qui m'a touché d'ailleurs je crois. Il me semble que là c'est le Wraith qui m'a touché. Ah il y en a d'autres. Wow, je peux plus là, il y en a trop. J'aurais dû claquer mon spécialiste mais... Allez les gars là, mettez le Wraith, il a plus de vie. Ouais bon j'aurais pas dû le claquer par contre là. Je me suis dit il y a beaucoup de monde, j'ai claqué le spécialiste. Mais bon je suis un petit peu grillé, j'étais en plein milieu du grille-pain. Donc ouais, quand il y a trop de grille-pain, c'est grillé. Pour ceux qui comprennent cette référence, dites-moi ceux qui comprennent cette référence. Quand il y a trop de grille-pain, c'est grillé. Parce que celle-là, faut la trouver quand même. Hein. Il faut la trouver. Donc dites-moi. Où est-ce qu'il est lui? Ok. C'est moi ou il y en a encore? Je crois qu'il y en a encore. Hein. Ah bah il passe devant, bah passe devant, écoute. Hein. Boum. Bon par contre j'ai plus de munitions. Tout à coup, plus de munitions. Bon c'est bon. 27-11 pour la première manche et tout le monde est négatif. On n'est pas dans la merde. On a gagné alors je pense que... J'ai pas fait gaffe mais je crois qu'on a beaucoup de triple, beaucoup de double cap au début de la partie et pas du tout. Pas du tout à la fin ou quasiment pas. Putain, niveau 965 je viens de capter. Niveau 965 quand même. Pas mal hein, pas mal du tout moi je dis. Bon par contre il a pas un score terrible hein, mais bon. Il a beaucoup de captures. Donc je vais pas trop m'en plaindre. J'espère que c'est pas trop que des captures de A et de C mais j'ai pas fait beaucoup mieux tu vas me dire donc j'ai pas vraiment de quoi me plaindre. Ce qui est chiant c'est quand t'essayes de capturer comme ça et que t'es le seul à essayer, ça c'est horrible. Parce que là tu vois là tu vois on aurait été deux. J'aurais easy capture là easy capture. Si on était deux c'était fini quoi, j'ai passé tellement de temps sur le point. Du coup là on va le perdre forcément. Pas forcément mais... Allez, je dois avoir fini là non? Oh putain de Marshall, mais t'as vu la distance à laquelle il te one shot ce truc? Ah ils l'ont nerf mais je trouve quand même que c'est complètement abusé ces trucs qui one shot quoi. Encore? Les armes qui one shot en... Enfin toutes les armes qui one shot sont horribles. Ah ils ont un hater, ah, d'accord ok. Je sais pas comment ils ont un hater mais ils ont un hater. Mais j'ai toujours des teams comme ça. C'est quand c'est hier soir, j'ai fait genre 3 parties parce que je voulais finir mon défi sur mon compte principal. Ce défi là je voulais le terminer sur mon compte principal. Et du coup il y a Taito qui m'a rejoint. Pour ceux qui suivent mon live stream, Taito est assez régulièrement avec moi sur le stream. Et là moi, il voulait me rejoindre quoi, tu vois. Et on a fait 3-4 parties, 3 ou 4 parties. Sur les 3 ou 4 parties qu'on a fait, on a perdu les 3 ou les 4, on les a toutes perdues. Mais il n'y a pas un seul allié, pas un seul allié sur les 4 parties qui était positif. Pas un. Et j'ai l'impression, je sais pas s'il y a du matchmaking qui est complètement en ma défaveur ou quoi, mais c'est tout le temps pareil. Hein. C'est tout le temps pareil, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai jamais réussi à avoir du matchmaking en ma faveur dans ce jeu. Genre, depuis quelques temps, là, il n'y a plus rien qui se passe, quoi. Il n'y a absolument plus rien qui se passe en ma faveur au niveau du matchmaking, et je sais pas pourquoi. Merde. Ah, changement d'arme. Je m'attendais pas trop à croiser quelqu'un, genre une seconde après mon spawn, mais... Je devrais peut-être pas sauter quand c'est comme ça, d'ailleurs. Oh putain, c'est horrible parce que maintenant ça fait des hitmarkers. Je sais pas si vous avez remarqué quand le mec il a le... Comment elle s'appelle? Quand il a l'armure cinétique. Avant ça faisait ding 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 piou piou comme si tu tirais sur du métal ou quoi, tu sais, quand tu tires le bruit, et maintenant ça le fait plus. Je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, parce que du coup quand tu tires sur un mec qui l'a, bah tu le sais pas quoi. Enfin je veux dire, si le mec il est pas à 2 cm que toi et que tu le vois pas complètement briller quoi, le mec tu le vois pas et tu le sais pas quoi. Ouais, c'est le genre de partie sur laquelle je tombe, tu vois. Ça c'est le genre de partie sur laquelle je tombe tout le temps. Je suis parti d'un ratio de 2,5 et maintenant je suis en ratio bientôt de 1. C'est juste énorme quoi. C'est juste ultra énorme les parties sur lesquelles je tombe quoi. Je trouve ça tellement ouf. Regardez, il y a encore un Cerberus là. Et le Cerberus, celui-là par contre, je m'en bats un peu les steaks pour aller le détruire. Ah, il y avait un... Ah, je sais pas quoi faire. Hein. Je sais pas une... On va prendre ça, mais bon, regarde. Regardez-moi ça.
Si c'est pas ridicule de chez ridicule, ça. Ok, il m'a tué. D'accord. Hostile Cerberus. Je trouve ça ouf, moi, ces games. C'est tellement ouf, c'est parti. C'est tellement ouf. Et le mec à 30 mètres qui me one-shot avec le... avec le machin, là. Je sais plus comment ça s'appelle, là. Avec le Marshall, voilà. Mais bon, ouais, de toute façon. Hein. Partie habituelle, j'ai envie de dire. Ouais, en plus, les mecs, tu peux pas les tuer. Allez, on est reparti. UAV, counter UAV. Tout le monde s'en bat les steaks des streaks. Je passe mon temps à détruire les streaks. Ça m'arrive régulièrement. Et boum, le one shot. Ça m'arrive très régulièrement comme ça, tomber sur des parties où je suis le seul à détruire les streaks. Tous mes alliés filent des streaks et après je suis le seul à les détruire. Et je branle rien de la game et je finis quand même premier. C'est ça le plus ouf, c'est qu'en ne faisant que détruire des streaks, j'arrive à finir premier des fois. Enfin, tu sais pas comment c'est possible. Oh putain, elle m'a tué à une de ces distances le truc. Ok, bon bah là, bon voilà, one shot. Hop, voilà, one shot. Ah oui, non, mais c'est pas cheaté du tout hein, le Marshall. Hein. Le mec il arrive, il fait un double kill avec un Marshall, c'est pas cheaté du tout. Hein. Non mais ça me fait rigoler quand même les gens qui me disent que le Marshall il est pas cheaté quoi. Enfin, c'est tellement n'importe quoi ce truc. C'est tellement du grand n'importe quoi. Il est là lui. Bon, bah voilà, on a perdu. 31-30. Petite partie habituelle quoi. 31-30, tac. Allez, je suis niveau 47, putain ça fait chier, je suis pas 48. Par contre ça me fait vraiment chier parce que j'aurais bien aimé avoir le hater. Il commençait à faire des parties un peu hater, tu vois, mais voilà quoi. Là, on est contre des mecs, il y en a deux qui jouent au Marshall, il y en a un qui joue au couteau, bah voilà. Tu peux rien faire. Tu peux pas réagir, tu peux rien faire de toute façon. Le mec, tu peux pas réagir puisqu'il te one-shot. Donc, à partir de ce moment-là, les mecs, ils te bombardent de streaks, vu que tes alliés sont tous négatifs. Enfin, moi, mes alliés, personnellement, hein, je parle pas des vôtres, hein, je sais pas, mais les miens, en tout cas, ils sont très régulièrement négatifs. Hein. J'en vois pas souvent des positifs. Mais ouais, là, il y avait aucun moyen de gagner, quoi. Comme d'habitude, hein. Mais je dois avoir un ratio de victoire-défaite qui est inférieur à 1, je pense, maintenant. Hein. Mais je pense que c'est pas possible, en fait, hein, maintenant, en solo, d'avoir un ratio de victoire-défaite supérieur à 1. Bah, je sais pas comment j'arrive, parce que je pense qu'à mon avis, j'arrive à le tenir sur mon compte principal, parce que, genre, je joue plus trop, et en plus, bah, j'ai déjà un ratio qui est de 2, tu vois. Donc, comme j'ai beaucoup de parties, j'ai beaucoup de temps de jeu, ça a du mal à descendre, à mon avis. Donc, tu vois, là, ça passe encore. Mais tu vois très bien quoi, j'ai un ratio de 1.32 là en domination. Je crois que c'était pas l'épisode d'avant où il y a 2 ou 3 épisodes, je crois que j'étais à 1 tout pile, je sais même pas comment j'ai fait pour monter aussi haut, et je l'ai même pas faite. J'ai même pas fini le défi. C'est juste ouf. Putain, j'en avais 3 à faire. En même temps, c'est vrai que je suis tombé sur une partie de folie aussi, donc c'était pas évident, vu que la deuxième manche, j'ai juste rien fait du tout de toute la manche. Non, je veux pas tomber sur la même. J'ai absolument rien fait du tout de toute la manche. Hein, celle-là, c'est pas la même en fait. Si, c'est la même, Maverick. C'est lui qui était en face. Moi, je veux pas tomber là-dessus parce que je sais que je vais tomber contre lui et toute sa clique. Là, les mecs qui sont 3 en groupé, donc forcément. En plus, les mecs qui sont en groupe, tu vois. Ça pourrait mettre les mecs qui sont en groupe avec d'autres mecs qui sont en groupe. Mais non, ça met les mecs qui sont en groupe contre des mecs qui sont solo et qui sont nuls en plus. Donc, comme ça, yeah! Allez, comme ça, c'est bien équilibré comme il faut, tu vois. Allez, on va tenter là-dessus. Ils sont encore 3. J'espère qu'ils sont pas très doués parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué, mais y a pas vraiment le choix de toute façon. Et je vois pas comment faire. Je sais pas du tout comment faire parce que je peux tryhard le plus que je peux. Je peux aller rusher sur les points, je peux essayer de jouer l'objectif, je peux essayer de jouer les kills, je peux essayer de jouer n'importe comment. Si je joue l'objectif, je me fais défoncer. Et puis comme ma team se fait défoncer, on se prend plein de séries. Et si je joue les kills, à ce moment-là, j'arrive à avoir des séries, mais on peut même pas capturer parce que de toute façon, je suis toujours tout seul sur le point. C'est juste horrible. Il y a quelques rares parties où les équipes sont assez équilibrées pour que tu puisses faire quelque chose. Mais honnêtement, j'ai vraiment l'impression que c'est de plus en plus rare, c'est vraiment de plus en plus rare. C'était peut-être moins difficile au début du jeu, alors je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Je sais pas du tout pourquoi. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas s'ils ont fait un patch, j'en sais rien. Parce que je pense pas que mon score par minute soit si élevé que ça, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, j'ai 636, j'ai un ratio de quoi, si j'ai un ratio de 3.4, bon, c'est pas... C'est pas mauvais, mais bon, c'est pas non plus ouf, quoi. Enfin, je veux dire, en hardcore domination, quand je m'étais bien mis en tryhard à fond en domination hardcore, j'avais 1100 de score par minute, quoi, tu vois. Là, j'ai 600, c'est pas... Bon, c'est pas non plus fou de chez fou, quoi. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à comprendre comment est-ce que le jeu, il fait pour équilibrer, comment ça marche, tout ça, parce que c'est vrai que... Bah là, ça me démotive un peu à jouer, hein. Clairement,
Je pense que comme je vous disais tout à l'heure, hein, j'ai fait des parties avec Taito, on était deux, on était les deux seuls positifs de la game et on pouvait pas la gagner. Hein. On pouvait absolument pas la gagner, c'est impossible. Et Taito, il me disait, hein, quand on se parlait, il me disait, mais enfin, comment tu fais pour avoir des lobbies comme ça tout le temps, quoi. Apparemment, lui, il a pas ces lobbies-là. Hein. Je sais pas comment il fait, mais moi, j'ai tout le temps des lobbies comme ça, c'est horrible. C'est juste horrible. Je peux pas bouger la souris. C'est pas grave, on a capturé B, mais bon, maintenant faudrait défendre. Les gars, faut défendre. Ah, mais tout le monde s'en branle. Bon, allez, on est parti. Hein. Moi, je vais faire le tour et je vais aller faire des kills sur A. Parce que de toute façon, tout le monde s'en bat les steaks, apparemment, du point B. Donc, c'est parti. Tu vois, les mecs, il y en avait 3 qui étaient à côté de A, là, en train de regarder. Je sais pas ce qu'ils foutaient, juste à côté de A, à côté de C, qui était de l'autre côté, en train de regarder. Je sais pas ce qu'ils regardaient, mais. Ouais, je peux pas. Je sais pas pourquoi je spawn sur A quand les ennemis spawn sur A comme ça, tu vois. Et là, je spawn sur C. C'est quoi la logique là-dedans, tu vois. J'ai spawn sur A, qui est le seul point qu'on n'a pas. Enfin, non, qui est pas. Qui est le point le plus loin de celui qu'on a, plutôt. On peut dire ça comme ça. Je pense que c'est plus. Ouah, j'ai l'impression que mes balles partent tout à côté là. La vache. Je suis en 0-5. J'étais au jugé sur le mec quand même pendant assez longtemps et je pensais pas l'avoir aussi peu touché. Ok, bon, on va essayer de remonter quand même, mais. Wouah, il m'a one shot, enfin il m'a pas one shot, mais il m'a. Ah ouais, mais il m'a vu, ok. Je me demandais comment il avait fait pour savoir que j'étais pile poil là à ce moment-là, mais sinon c'est qui m'a vu, c'est normal. Ok. J'accepte. Je sais pas si on peut tuer ses propres drones. Je galère, hein. Je sais pas si c'est la Vesper qui me fait galérer, j'ai l'impression que c'est la Vesper en fait qui me fait galérer. Je sais pas pourquoi. Oh putain, je croyais qu'il allait croire que j'allais passer de l'autre côté, tu vois, mais non. Oui, c'est la Vesper qui me fait galérer, clairement. Je galère beaucoup à cause de la Vesper, j'ai l'impression, là. Je pense que c'est le recul et le temps pour viser qui est pas terrible. Et à mon avis, ça doit pas mal jouer au niveau de mes réactions et de mes. Et du recul que j'ai sur les armes en règle générale. Sur la Vesper en règle générale. Ok, forcément c'est toujours moi. On est 3 sur le point, mec. Pourquoi? Bon, il a tué les 3. Bon, ok, j'allais dire pourquoi moi, mais non, il a tué les 3. Non, putain, je peux changer maintenant. J'ai fait un kill avec. Oui, j'ai fait un kill tout à l'heure avec, donc je dois être bon. Sur quoi je peux partir? J'ai envie de rien. On va partir sur des manoirs, mais j'ai envie de rien en fait. J'aurais dû me faire une classe avec, je sais pas, avec une autre arme. Mais vous voyez, hein, depuis que j'ai arrêté d'aller sur B, il y a toujours personne qui a été posé le pied sur B. C'est pas grave, hein, je vais jamais y aller, hein, on va perdre la game, mais c'est pas un souci. Hein. Après, moi, je m'en fous un peu, mais bon, enfin, ça sert un peu à rien de jouer à ce moment-là, quoi. Et que tu joues pas en tryhard, full tryhard mode pour gagner absolument, hein, quoi, d'accord, mais bon, enfin, essaye au moins de poser un peu le pied sur le point, quoi, tu vois. Parce que sinon, ça sert un petit peu à rien, autant aller en match à mort. Hein. Autant aller en match à mort. Ça, c'est marrant, là, ça passe. Ah, tout à l'heure, c'est pas du tout passé, ça. Putain, je crois que c'était le même, en plus, qui était là. Ouh, heureusement que je me suis retourné. Heureusement que je me suis retourné, quoi. Alors. Je sais pas combien de temps je peux rester sur le point B, comme ça, là. Ouais, j'avais presque capturé, hein. Mais bon, j'étais tout seul. J'avais presque capturé tout seul. Eh oui. De toute façon, les seuls points qui sont capturés par les alliés à chaque fois, c'est soit les points A, soit le point C. C'est toujours pareil quand tu vois plein de mecs qui, enfin des mecs qui ont plein de captures comme ça. C'est toujours la même chose, c'est toujours sur le point A ou sur le point C. C'est tellement chiant, ça. C'est juste horrible. Ouh, ton petit headshot, toi, il t'a pris cher. Allez, essayons de capturer B. J'ai une crosse là-dessus. Oh, c'est cool, ça. Eh ouais, je suis tout seul. Vous remarquez quand même que le mec qui est passé juste à côté du point B n'est absolument pas venu m'aider. Moi je dis ça, c'est pour aider. Hein. Je dis ça, je dis rien, quoi, mais tu vois. Et personne n'est positif dans ma team. C'est énorme. Je sais pas pourquoi, je comprends pas. Toutes mes parties, ça fait genre 2 semaines, hein, mais toutes les parties sont comme ça, tu vois. Toutes les parties sont comme ça, c'est un truc de fou. Et tu peux pas jouer l'objectif, quoi. Enfin, tu voyais bien, quoi. Dès que je vais sur B. J'ai 2 ennemis sur la gueule, bah ouais, je peux pas faire grand chose quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 2 ennemis sur la gueule? C'est impossible de chez impossible.
Putain, mais tout le monde, il n'y a pas un seul mec qui est en positif dans ma team. C'est juste fou. C'est fou de chez fou. Pourquoi je me suis arrêté là? C'est fou de chez fou ce truc là. Eh non, je suis de l'autre côté. Oui, du people là. Vache! Ils sont tous spawn là en fait. J'ai tellement peur d'être là. Il y en a d'autres, mec. Il y en a partout en fait. Non, c'est bon, ils sont. Ah, si, ça va arriver là. Oh putain! Il m'a mis 3 balles là! Putain, je les ai pas vus quoi. Ah ouais, c'est une rafale, c'est pour ça. C'est une rafale, il est du cul à mon avis parce qu'il a mis toute la rafale dedans au jugé. Ah merde, il a mis toute la rafale dessus au jugé, je pense, à mon avis il a eu pas mal de chats là-dessus. C'est bon, on pourrait toute une rafale au jugé au... Ah bouge ça toi. Toute la rafale au jugé au XR2, faut quand même être assez chatard, hein. Même s'il était relativement proche. Ok, je me casse de là. Je me casse de là, merci, au revoir. Je sais pas pourquoi il s'est pas retourné pour me regarder là. Normalement les mecs ils font ça. Oh putain, y'en a un qui arrive à ce moment là. Y'en a un qui est arrivé à ce moment là. Oh, on se bouffe full streak hein, de toute façon. De toute façon on se bouffe full streak maintenant, ça sert plus à rien. Tu vois, care package, lightning strike, tout ce que tu veux. Les mecs ils enchaînent comme ils veulent, y'a pas de soucis. C'est trop facile. Ah toi, elle peut nous taper d'ici. Oh putain, pas un purifieur quoi. Personne veut détruire la tourelle en plus. Non seulement les mecs veulent pas jouer l'objectif, mais en plus les mecs veulent pas jouer la tourelle. C'est ouf. Ah ouais, bon là, je pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire. Je sais pas comment faire, mais... Je déprime, je déprime total en fait. What? Je l'ai pas tué moi. C'est genre ok. Je veux bien que j'ai pas tout tiré dessus, mais tout de même, hein. Tout de même. Putain, je lui ai mis 2 balles, c'est dommage, j'étais vraiment pas loin quoi. Mec, ils ont des tourelles, ils ont des gardiens, ils ont... Care package, enfin ils enchaînent les streaks mon gars, mais d'une violence. Allez, d'une violence. Et toi, tu peux absolument rien faire. Oui, je t'ai vu toi. Ah ouais, mais je peux rien faire contre ça. Personne qui me protège ni rien. En fait, je viens de capter qu'il n'y a aucun allié en dehors de notre spawn en fait. Du coup, forcément, c'est un petit peu chaud quoi. C'est un tout petit poil chaud quand il n'y a aucun allié qui sont sortis de notre spawn quoi. Oh, je l'ai pas eu, fait chier. C'était vraiment ça qu'il fallait que j'aie pourtant, mais bon. Ah, je mets 2 balles à chaque fois, il m'en manque une. Je mets 2 balles et il m'en manque une. Ça m'emmerde un peu. C'est vraiment pas terrible hein, les parties que je fais aujourd'hui, mais... Chaque fois je me fais laminer par mes alliés en fait, c'est ça le truc. Tu vois là, je vais essayer de capturer, mais moi je vais me refaire tuer, je vais être tout seul sur le point et puis... Oh putain, on est deux, on va peut-être capturer à deux quoi. Eh ouais, on est deux et voilà, on capture. Oh putain, quand on est deux, on capture, c'est étonnant quoi, c'est vachement étonnant. La seule fois où quelqu'un a mis le pied sur le point, on a capturé. On pourrait gagner la game, mais tellement, tellement facilement. Tellement facilement. Ah mais lui, il me défonce la gueule, je comprends pas comment. On pourrait la gagner tellement easy, mais tout le monde s'en branle, mais complètement. Oh là là. Il y en a un sur A, il y a un allié qui est juste à côté de A, et je sais pas ce qu'il fait. Le mec, il est derrière le truc au fond, là-bas. Je sais pas ce qu'il branle. En tout cas, il branle. Qui c'est qui m'a mis un coup de crosse? Ok, j'ai pas vu ça sur mon écran moi. Oh putain, le mec je l'ai pas vu sauter en fait sur mon écran. Pour moi il a jamais sauté, enfin il a peut-être sauté genre après m'avoir croisé, mais il a pas sauté avant quoi, enfin... Non, je sais pas, c'est moi qui fume. Je sais pas du tout. Oh, je galère avec cette arme en plus, ouais, de toute façon c'est terminé. C'est terminé, 27-27. Cette partie, oh là là, cette... Cet épisode était vraiment dégueulasse et tout le monde est négatif.
Tout le monde est négatif, il y en a deux qui a quitté en plus. Bah ouais, ça c'est boring, je veux bien te croire que c'est boring, mec. Hein. Je veux bien te croire. Hein. Je crois que c'est le pire épisode que j'ai jamais fait. C'est clairement le pire épisode de très très loin en plus. Hein. J'ai perdu 0,2 de ratio dans l'épisode quand même. Hein. C'est le pire épisode que j'ai jamais fait. Oh là 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 là. Enfin, quand vous voyez les teams sur le quoi je tombe en même temps. C'est impressionnant. Et j'ai que ça tout le temps, dans toutes les parties que je fais, sur mon compte principal, sur le compte secondaire, sur partout. J'ai tout le temps des teams comme ça. C'est fou. C'est fou de chez fou. Mais bon, bref, sur ce, bah moi, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais vérifier quand même que j'ai bien terminé mon défi, parce que ça serait quand même con de pas l'avoir terminé. Mais bon, j'ai autre chose à faire après, donc ça m'embêterait d'avoir en faire une troisième, je vous le cache pas. Mais surtout qu'en plus, là, je suis vraiment mal barré, tu vois, ça commence à taper un peu sur le moral quand t'as des parties comme ça, tu vois, mais ouais. Je vais vérifier quand même que j'ai bien terminé mon défi, parce que j'ai pas fait beaucoup de kills du tout avec mon spécialiste, pour ne pas dire pas du tout, j'ai dû en faire un. Et donc ça a suffi pour avoir le Blackjack, donc ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, maintenant, j'ai un jeton de blackjack et j'ai 32 minutes de blackjack restante. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Mais bon, sur ce, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter comme d'habitude une bonne journée, une bonne soirée. Et j'espère que cet épisode vous aura quand même plu malgré le fait que j'ai joué comme une grosse merde et que je suis tombé sur des grosses teams de merde. Donc voilà, allez, ciao.